Hello tout le monde, c'est Laurine. Hello hello tout le monde, c'est Laurine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et une nouvelle réaction à un MV. D'ailleurs c'est un first react, puisque aujourd'hui je vais réagir à la dernière chanson de Hoshi, qui est un membre de Seventeen, si je ne dis pas de bêtises, et qui a sorti un solo qui s'appelle Spider. Donc c'est son MV que nous allons voir aujourd'hui. Il neige. C'est une blague. Seventeen, je ne suis pas très fan du groupe, en fait je ne les connais pas et je n'arrive pas à m'y intéresser plus que ça. J'aime certaines de leurs musiques parce que je les ai entendues sur d'autres groupes et tout ça, mais ça s'arrête là. Par contre, Hoshi, donc le membre de Seventeen, si je ne dis toujours pas de bêtises, eh bien j'ai vu ces teasers qui sortaient, puisque du coup ils ont été rachetés par... ils sont en collaboration entre guillemets avec Big It, et ça m'avait beaucoup interpellée. En fait les teasers m'avaient beaucoup séduite et je me suis dit que j'avais envie de réagir à son solo et lui en tant que soliste, parce que ça pouvait éventuellement me plaire, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Sans plus attendre, passons à la réaction. Et c'est parti. C'était surtout cette scène que j'avais beaucoup aimé là, avec les... J'aime beaucoup. Visuellement c'est magnifique déjà. Ouais, c'était cette chorégraphie avec ces barres de fer qui m'avait vraiment séduite là tout de suite. Je dois avouer que c'est magnifique. C'est vraiment très beau. Alors c'est trop bizarre parce que musicalement, là, parlant, la voix, tout ça, enfin tout ce que je suis en train d'entendre pour le moment, et même le style de MV, ça me rappelle énormément ce Taemin. Et j'adore Taemin en tant que soliste. Hein. J'adore vraiment ce garçon. J'aime énormément cette chorégraphie qui tourne autour de ces barres de fer, avec cette impression de profondeur du coup, puisque c'est vraiment dans un long couloir où il n'y a que ça. Et je trouve que ça donne une dimension architecturale juste de dingue, et ça rend le tout vraiment très très beau et très moderne, très stylé. J'aime énormément. J'adore, surtout en noir, là c'est trop beau. Ça me révèle vraiment le style de Taemin. C'est très sexy en fait, c'est pour ça que ça me rappelle Taemin. Puis après, comme dit le style musical derrière, mais c'est vraiment magnifique. Et j'adore la musique, hein. Parce que là je parle que du visuel depuis un petit moment là, mais la musique, elle est trop belle. Wow, on a un autre visu là maintenant, on a un autre point de vue, on n'a plus cette impression de profondeur maintenant, puisqu'il n'est pas face à la caméra dans les carrés en métal, et maintenant on a vraiment l'impression comme ça de profil de côté. Ça change, parce que je sais pas comment vous le dire, ça donne une autre dimension je trouve à la chorégraphie et au MV du coup, parce qu'on a un autre point de vue et je trouve ça très très intéressant. J'adore, trop beau. C'est trop bizarre parce que lui il est tout noir et eux ils sont habillés tout en blanc. Wow. Oh, j'aime beaucoup. On change d'univers. C'est très beau. J'aime beaucoup ces scènes là avec la peinture, parce que c'est lui qui littéralement se fout de la peinture partout, mais je trouve ça
Ça rajoute encore un côté artistique à la chorégraphie et au MV, qui est déjà très très beau et très artistique, je trouve. Mais ça, c'est sans doute un de mes passages préférés avec la partie architecturale, avec ces barres de fer où ils dansent avec. Je trouve ça vraiment très très beau. Et qu'est-ce que c'est sensuel par contre. Oh, j'adore. C'est tellement beau. Oh. En plus, c'est de la peinture réfléchissante là, au noir. Je trouve ça magnifique. Waouh, j'adore le maquillage. J'adore. Wow. Franchement, bravo. C'était trop beau. Pour le coup, là, je pense qu'on peut dire qu'avec ce MV, je suis mais totalement séduite. Je ne le connaissais pas, puisque comme dit, je ne connais pas Seventeen plus que ça. Et vraiment, j'ai eu du pif en regardant cette teaser et en me disant que c'était vraiment un comeback qui pourrait m'intéresser. Parce que pour le coup, là, j'ai été mais... déjà halluciné, c'est grandiose, le MV est juste magnifique, très très artistique, je retrouve énormément de choses que j'aime dans l'art dedans, je trouve ça magnifique. Sa voix et son style un petit peu me rappellent beaucoup Taemin, comme je l'ai dit au tout début, et pour le coup j'adore Taemin en tant qu'artiste et forcément ça me séduit puisque c'est le genre de musique que j'aime bien, c'est le genre de style que j'aime bien en solo. Tout est vraiment très très beau, la musique est magnifique, la chorégraphie, surtout dans les parties là, avec les barres de fer carrées là, dans ce long couloir, je trouve ça mais magnifique. C'est très très bien pensé, c'est très joli, et ça rajoute encore un sentiment de modernité qu'on peut retrouver beaucoup dans l'art contemporain, avec la danse contemporaine, un peu ce truc que les gens font... comment dire, font en public, donc de l'art qui n'existe que pendant la performance, voilà, de l'artiste. Je trouve que ça rappelle énormément ce genre de choses, ce MV, et c'est quelque chose que j'adore. Donc forcément, je suis ultra séduite par Oshi, du coup, et son MV Spider. Il m'a totalement retournée, là, j'adore. C'est peut-être l'une des meilleures choses que j'ai vues depuis quelques mois. Je trouve ça vraiment mais magnifique, novateur, très très beau, et... franchement, bravo à lui et bravo aussi aux personnes eh bien, qui ont imaginé et fait ce MV. Bravo parce que c'est vraiment un chef-d'œuvre. N'hésitez pas vous à me dire ce que vous avez pensé eh bien, de ce MV, de cette performance, de cette musique et de ce comeback solo de Oshi. Est-ce que vous êtes une fan de Seventeen de base ou pas? Ou est-ce que vous découvrez totalement eh bien, cette personne comme moi un petit peu aujourd'hui? Dites-moi ce que vous avez pensé, est-ce que vous avez apprécié, est-ce que vous avez été aussi séduite que moi, voire pas du tout, ça m'intéresse énormément de savoir, et bien sûr laissez-moi tout ça en commentaire. Si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir et ça aide évidemment la chaîne à se faire connaître. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et activer la clochette pour être prévu de prochaines sorties vidéo. Je vous recommande énormément aussi de me suivre sur mes réseaux sociaux, que ce soit Facebook, Twitter et surtout Instagram. Je suis vraiment très 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 active sur Instagram. C'est le réseau social que j'utilise le plus pour communiquer avec vous et vous partager plein de choses, que ce soit en post ou en story. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Instagram et à vous abonner, pourquoi pas, ça peut être sympa. En tant qu'ambassadrice chez boutiquekpop.fr, je dispose toujours de mon code de réduction pour vous de 15% qui s'affiche juste ici. Vous pouvez aller sur le site, il y a sans doute du Seventeen, j'ai pas fait attention, mais il y a plein de choses à l'effigie de vos groupes de K-pop préférés.
Il y a des pulls, des t-shirts, des lightsticks, plein d'autres choses, des bijoux, des petites figurines. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à utiliser mon code de promotion si vous voulez vous faire plaisir, sachant que la livraison est gratuite à partir de n'importe quel montant. Donc n'hésitez pas à aller vous faire plaisir et à utiliser mon code de -15% pour pouvoir vous faire encore plus plaisir. Vous pouvez également me rejoindre sur Tipeee et faire un don de 1€ ou plus. Ça vous donne accès à des contreparties plutôt sympathiques. Et d'ailleurs, il y a mon photoshooting du printemps qui va pas tarder à sortir, ou qui est d'ailleurs déjà sorti sur Tipeee, qui sera en avant-première pour les tipeurs. Donc je ne sais pas encore à quel montant je vais mettre ça disponible sur Tipeee. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à faire un don si cela vous dit, bien entendu. Ou alors vous pouvez aussi regarder un petit clip de quelques minutes et ça me rapportera 3 centimes. Ça a l'air de rien comme ça, mais combiné ça peut vraiment devenir une somme plutôt sympathique. Donc si vous n'avez pas les moyens de faire un don, vous avez toujours la disponibilité de regarder le clip. Quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure à laquelle vous allez me regarder. Ciao tout le monde, à bientôt!